Hello everybody, welcome back to Science Wednesday. So, in the last classes, we have already seen what a virus is. We have seen how our body defend from intruders, and what happened in our body. Ce qu'on sait déjà. Si votre corps est exposé à un intrus, il peut le garder en mémoire et créer une immunité. Les vaccins peuvent créer une immunité sans que votre corps soit effectivement infecté. But what actually happens since the moment a virus starts trying to attack us until we actually get rid of it? Que se passe-t-il à notre corps pendant la période où on est infecté par un virus? So maybe to understand this better, let's look at the different phases of a disease. Pour comprendre cela, regardons les différentes phases de la maladie. Before you get sick, you have to get infected. Transmission of viruses can happen in different ways. Avant de tomber malade, vous devez être infecté. La transmission des virus peut se faire de différentes façons. Eating infected meat. En mangeant de la viande contaminée. Through surfaces, a virus can sit on a surface and wait for a suitable host to pass by. À travers des surfaces, un virus peut rester sur une surface et attendre qu'un hôte convenable passe à côté. Through vector transmission, a carrier can bring the virus to a new host. Transmission par vecteur, un porteur peut amener le virus à un nouvel hôte. Airborne transmission, the virus can be passed on through the air, for example by breathing. Transmission aérienne, le virus peut être passé à travers l'air par la respiration par exemple. Waterborne transmission, the virus infects the water and enters a new host once this water is consumed by the new host. Transmission aquatique, le virus contamine l'eau et entre dans le nouvel hôte quand ce nouvel hôte consomme cette eau. Droplet transmission, the virus is passed on through body fluids, like someone sneezing. Transmission par gouttelette, le virus passe à travers les liquides organiques, comme quand une personne éternue. After you get infected, the first period of the disease cycle is the incubation period. In this period, you don't feel sick yet, but the virus is multiplying in your body and you can already contagiate other people. Après avoir été infecté, la première période du cycle de la maladie est la période de l'incubation. Pendant cette période, vous ne vous sentez pas encore malade, mais le virus se multiplie dans votre corps et vous pouvez déjà contaminer d'autres personnes. The second stage of a disease is the prodromal period. La deuxième phase de la maladie est la période prodromale. During this phase, the virus continues to multiply in your body and your body begins to experience signs of illness as a result of the activation of your immune system. Pendant cette phase, le virus continue à se multiplier dans votre corps. Vous commencez à ressentir des signes de la maladie à cause de l'activation du système immunitaire. These signs often include fever, pain, soreness or inflammation. Ces signes incluent souvent de la fièvre, de la douleur et de l'inflammation. These general symptoms are a result of your body trying to fight an invader. Ces symptômes généraux résultent du fait que votre corps essaie de combattre l'intrus. Fever, for example, is a way of your body to fight invaders because most viruses and bacteria do not like higher body temperatures. Par exemple, la fièvre est une méthode pour le corps de combattre les intrus. Parce que la majorité des virus et des bactéries n'aiment pas les températures corporelles élevées. After this comes the period of illness. During this period, the symptoms of the disease are most obvious and severe. Après cela, vient la période de la maladie. C'est pendant cette période que les symptômes de la maladie sont les plus clairs et les plus graves. Following the period of the illness is the period of decline. During this period, the number of viruses starts to decrease and you start feeling better. Suivant la période de la maladie, vient la période du déclin. Pendant cette période, le nombre de virus diminue et vous commencez à mieux vous sentir. However, you're still sensitive to other infections because your immune system has been weakened by the first infection. Cependant, vous restez vulnérable à d'autres infections parce que votre système immunitaire est affaibli par la première infection. The last period of the disease cycle is the period of convalescence. La dernière période du cycle de la maladie est la période de la convalescence. During this stage, your body returns to its normal functions. You are cured. Pendant cette période, votre corps retourne à ses fonctions normales. Vous êtes guéri.
So let's see what we learned today. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Un virus peut être transmis de différentes façons, à travers de la viande contaminée, à travers des surfaces, transmission vectorielle, transmission aérienne, transmission aquatique, transmission par gouttelette. Le cycle de la maladie se compose de 5 phases, la période d'incubation, la période prodromale, la période de la maladie, la période du déclin, la convalescence. And that was all for today. So, hopefully see you next time. Bye bye. Bye.